Tiens, c'est une Vuelta extraordinaire pour Cofidis, le maillot de la montagne pour Mathé, la victoire pour Nasser Bouhanni et maintenant le maillot rouge pour Reyzou Serrada. Oui, c'est comme on dit, quand la spirale tourne dans le bon sens, et ben voilà, au début, c'est vrai que ça nous a enlevé un peu de pression d'avoir le maillot. Ensuite, il y a eu la victoire. Je parle du maillot de Luis, évidemment. Et puis voilà, quoi, la cerise sur le gâteau, c'est hier. Hein, voilà, être leader sur un grand tour, c'est pas rien. C'est une grande expérience pour l'équipe, pour les gars. C'est formidable. Il y avait un plan en tête hier ou alors c'était juste une échappée pour la victoire d'étape et puis le maillot est arrivé avec? Non, oui, c'est toujours la victoire d'étape. On se tient toujours à l'objectif du début, hein, c'est la victoire d'étape. Et quand on se fixe ces objectifs, ben, parfois ben, voilà, il y a des opportunités qui se présentent. Et là, c'était lui qui était le mieux placé au général de l'échapper. Et bingo. Vous avez l'expérience de ce maillot rouge, vous l'avez vécu avec Tom Dumoulin il y a 3 ans en 2015. Qu'est-ce que vous avez dit à Reyzou Serrada pour gérer cette pression? Déjà pendant l'étape, je lui ai parlé que de la victoire d'étape justement, pas du maillot, voilà, c'est le bonus, qu'à la fin où il était piégé évidemment, qu'il fallait tout donner. Mais à présent, il y a tellement eu de sollicitations hier, il faut dédramatiser un petit peu, simplement profiter du plaisir, c'est assez simple et on va mettre le plan ce matin, gérer de la façon dont on peut tout simplement et il n'y a pas de raison que ça, on a bon espoir de le garder encore. Mais pour un premier jour en rouge, c'est un jour piégeux parce qu'il va y avoir forcément des échappées. Les 2 dernières fois qu'on est arrivé à la Campéronale, les échappées sont allées au bout. Donc il y a un risque qu'un autre coureur bien placé au général puisse faire une bonne opération au général. Et il va y avoir aussi l'explication finale sur cette terrible ascension de la Campéronale. Comment vous imaginez cette journée? Oui, c'est sûr. De toute façon, maintenant, on arrive à la fin de la deuxième semaine. Hein. Il n'y a pas de hasard. Hein. Ceux qui sont devant, si vous regardez hier l'échappée aussi, il y a des clients, comme on dit, c'est normal. Et c'est vrai que le maillot, il change souvent, et c'est bien aussi. Et donc, il y a des risques, c'est clair. Donc, il faut gérer, laisser un filet, évidemment, avec nos équipiers qui vont essayer de passer la première catégorie de Tanara dans un premier temps. Et il y aura peut-être aussi des alliances de circonstances, hein, des équipes qui veulent aussi gagner l'étape. On va essayer de maintenir un écart qui permette ça aussi, quoi. Une dernière question sur Reyzou. On n'a pas forcément l'habitude de le suivre dans ces répétitions de choses et ces courtes ascensions vraiment abruptes. Qu'est-ce que vous attendez de lui sur cette montée de la Campéronale? Ouais, il a une gestion déjà. Peut-être assez confortable, c'est une montée assez difficile, mais de 3 km. Donc, en termes de temps, il est assez punchy, comme on dit. Ça devrait passer, logiquement. Bon, ben voilà, il y a de la fatigue aussi qui s'accumule jour après jour, mais là, j'espère qu'il va être transcendé et qu'il aura à cœur de tout donner dans ces 3 derniers kilomètres. Merci beaucoup, Christian. Bonne chance. Merci.